Oh putain. Grave. Vraiment une merde. Bienvenue à toi dans la partie 2 de la BMW E30. Ah, Yoann. Oui, moi-même. À toi-même. Comme t'as pu voir, le tableau bord il a dû sortir. Parce que le radiateur de chauffage là-dessus, c'est une vraie misère. Donc, tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme t'as pu voir, radiateur de chauffage, on a dû enlever le tableau bord complet. Moteur du 316 qui va refaire, parce que finalement tout ce qui était swap 320, 325, ça valait pas trop le coup en fait. Si tu regardes finalement par rapport à ce que tu trouves sur le net, en termes de moteur et en termes de pièces, c'est un peu une galère. Bon, j'avais trouvé un peu ce qu'il fallait, mais bon, je me dis je vais rester un peu dans l'originalité. Et puis... Le truc c'est que si cette caisse là, je veux dire, c'est un 316, mais quand tu regardes un peu le prix des E30, rien qu'une 316, je veux dire, elle a pas eu beaucoup de propriétaires cette voiture, tu vois. Et le propriétaire qui l'avait en dernier, avant lui, il l'a gardé comme ça pendant 10 ans. La distribution, qui pour les 10 ans qu'elle a traîné, elle est pas trop dégueulasse. Tu vois déjà que ça a été refait là, une petite patte bleue là. Ouais. Hop. Distribution, pompe à eau, il a commandé tout pour refaire ce moteur là. Donc avec un embrayage, avec tout ce qui suit. Et avec le fameux radiateur de chauffage qui fuyait. Merde. C'est la pipe. Cette pièce là en fait, c'est la pipe. C'est la soupape de chauffage, ouais. Qui est ouais, qui vient directement en fait là-dessus. C'est elle qui pisse. Ouais. Et c'est surtout elle qui dépasse là normalement et qui vient dans l'habitacle. Et en fait le radiateur de chauffage il est derrière le tableau de bord. Et généralement là-dessus, si tu préfères, c'est une soupape électrique qui s'ouvre et qui envoie plus d'eau chaude en fait dans l'habitacle pour avoir du chauffage en fait. Mais la pièce là, si jamais un jour ça arrive à quelqu'un, la pièce là, 350€ chez BM et ils en font nulle part ailleurs. Donc moi personnellement j'ai enlevé le moteur et lui il m'a fait une plaque et tout machin et c'est très bien comme ça. Ouais, le liquide, on a enlevé l'électronique en fait dessus, on a foutu une plaque, on a mis de la, on a mis du silicone, on a mis une colle. Terminé, ça, en fait. ça a coûté nada. Surtout le magnifique papillon qui était. Ouais, il y avait 1 milliard de merde dessus. Demain tu reçois tes pièces quasiment. C'est ça, je reçois déjà une partie. Ensuite j'ai commandé une deuxième partie, bah, à mon avis je serais bon pour commander une troisième partie. Ouais. On dirait vraiment qu'on est à la fête foraine, non? Oh, ça ira, ça sent bien. Imagine Noël, ou 23 décembre, tu couches du Bob Marley, gros. Jouer à Catinelle? Jouer à Catinelle, gros. Bon, plus sérieusement, il a pas trop tort parce qu'on est le 23 décembre et puis c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui, on le fout dedans ou pas. On est aujourd'hui avec Marc, avec Yoann et avec Nino et avec moi-même. qu'est-ce qui a été fait sur le moteur, gros, du coup? Embrayage, piston. Oh, non, non. Non, calme-toi. Peinture complète du moteur, on a tout gratté. Mm-hmm. Ça marche pas. Bien sanglier. Eh, bouche de vieille. C'est bon. Bon, monter un moteur de 316 E30, ça n'a pas de prix, non? Embrayage neuf, tous les jours un moteur neuf. Distri, il y a eu quoi? Fil de ouais. Bougie, distribution. Ouais, distribution, pompe à eau, fil de bougie, bougie. Un bon gros entretien, quoi. Ouais, on va dire une remise en forme. Un bon gros entretien. Compartiment moteur, je t'ai pas montré, attends. Décrassage du bloc aussi. Compartiment moteur. Ah, compartiment moteur, je t'ai pas encore montré. Repeint, propre, remonté, faisceau en place, tout est nettoyé, tout est impeccable. Il a déjà reçu des nouveaux feux pour l'avant. Montre un peu tes nouveaux feux que t'as reçus, tu les as là? Ouais, ils sont déjà emballés. Ah merde. Ouais, c'est Père Noël. Pourquoi ils sont emballés? C'est un cadeau. C'est un cadeau à la base. Non, c'est Père Noël, il m'a ramené. Oh putain.
Bon, l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui a bougé depuis, mais je suis là pour mettre le moteur dedans aujourd'hui. Tout va bien. On va. On peut le greffer ? On va mettre la chèvre là. Je vais quand même mettre le cric. Voyons. Bonjour. Ok, top. All right. Si tu veux. Ça va devant ? Vas-y, je vais rentrer. Oh. T'es quand même un mec vachement violent, tu trouves pas? Non, ça va, j'ai plus de problème. Je vais soigner et tout. Je peux le dire. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ah, parce que j'ai fait un peu un nœud de la roue. Du coup, j'ai ce nœud là. Oui. T'en vas pas plus bas. Parce que là, si on lève comme ça. Comment on l'avait fait pour le sortir? Pourquoi c'est aussi haut d'un coup là? Putain, on avait pas mis les chaînes. Bah oui, on avait pas mis les chaînes, on avait accroché beaucoup plus court. Ouais. Vas-y, descends-le, on accroche plus court. Ça fait de la merde. Voilà. Maman, la litis, là, il fait le poids d'un 3,25. Il va m'enculer la vie prochain. Bon, après. Là, si on prend à deux. Ben, top, les gars. Hein, contre les pieds, et moi, je pousse. Attendez, je vous aide. Non, mais allez-y, les gars. Tu vois, en fait, j'ai tout fait là. Ça c'est plus de chevaux mec, au moins. Et je crois parce que ça va foutre la merde. Lève. Ouais. Attends, mais t'es lève, ça va rien, je pense. Non, j'ai regardé, je crois. Et où la place pour lui? Attends, bouge. Putain! S'il vous plaît, monsieur. Dites-moi si je vous gêne, hein. Dites-moi si je suis trop. Tu me décliques, t'es un axe, tu sais. La petite masse, faudra qu'il ne pas oublier de mettre la petite masse là ici. Ouais. Là. Contre la carrosserie. Doucement, je pense que tu peux descendre. Hein. Tu sais qu'il faudra que tu lui fasses une vidange. Tu sais qu'il faudra que tu lui fasses une vidange aussi. Hein. Ah, je sais. Vas-y. Bah là, il voit la durite. Hein, de toute façon, je crois que tu peux même l'enlever. Enlève là. Enlève là. Enlève là, carrément. Ça sera mieux. Ouais, ça sera peut-être mieux. Vas-y, descends. On le guide pour mettre. Bah écoute, il faudrait le relever en dessous en fait maintenant. Ouais. Bon, je veux que vous compreniez. Ouais, mais non, mais déjà juste un bon cric en dessous là. Lever un peu la boîte pour incliner un petit peu le moteur. Et logiquement, ça devrait aller. Ce moteur là wow. Tu penses quoi de tout ça? C'est de la merde. Ben, 316, d'origine de la voiture. Tout le monde sait que maintenant les E30 ça commence à côté phénoménal. Ah, oui. Et puis c'est tout. C'est un coupé. Il voilà, bien. C'est un coupé trois portes. Je veux dire, un coupé trois portes. Quand t'as vu la plaque, il n'a pas eu beaucoup de propriétaires. Hein. Ouais, mais là, il va t'attendre dans le tunnel. Ouais. Oui. Tu me relèves un peu, Yon. Ouais, relève un jour, quoi. Je t'ai déjà dit, à Rocco, il. C'est derrière, ça. Ah, la boîte. Ah. Là. Bon. Là, j'en ai une marque. T'as une roulette ? Oui, oui. Quand même vachement de place là-dessus encore, honnêtement. Mais il est joli, c'est un bon moteur. Yoann, t'as oublié ça ? C'est pas les bonnes. Non, mais c'est vrai ? Ça, mec, c'est des bielles de VR6. Si t'as suivi un peu le truc, tu sais que ça, c'est foutu. Ouais, capote. Bon, il y a encore des ressorts courts qui vont aller dessus. Visco-coupleur, radiateur neuf. Radiateur de chauffage, il a été changé, donc maintenant, place au remontage. Parce que d'origine, le radiateur de chauffage avait été chinté pour justement parce qu'il fuyait dedans. Donc l'ancien propriétaire l'avait chinté pour éviter que l'eau rentre en fait ici dedans, que le chauffage fonctionne parce que ça pissait. Et donc là, il a tout remis nickel, les durites. C'est d'où cette durite bleue que tu vois tuning parce qu'il n'y en avait pas d'autre pour justement pour le radiateur de chauffage. Yoann, tu sais ce qu'on dit chez nous, t'es vraiment un steambok. Un steambok. Non, un steambok. C'est pareil, je n'ai rien à faire. Un steambok. Un steambok. Bon, moteur est dedans. Il restera juste à mettre la boîte en dessous, tout à coupler, l'arbre de transmission, rebrancher les quatre fils qu'il y a pour le faisceau, parce qu'en lui, il n'y a pas grand chose, à part la masse, à part la bobine, les fils de bougie, le câble d'accélérateur, en fait, il n'y a pas énormément. Remettre le radiateur avec le visco coupeur. Ça fait plaisir. C'est
Spider-Man. Exactement. Ouais, je suis à la droite du gros cul. Bon, c'est la fin de la partie 2. Comme t'as pu voir, le moteur il est dedans. Et du coup, ben, place à la partie 3. Place au remontage de tout ça. La prochaine partie, tu vas le voir le moteur qui va tourner. Et je pense déjà pas mal de détails qui vont être remontés. Et il y a des pièces qui vont arriver en carrosserie. Et je pense que il va y avoir du changement début d'année. Et on voulait profiter du moment. C'était en fait une bonne fin d'année. Et de bonnes fêtes avec votre famille. C'est ça. Un joyeux Noël et puis une bonne année. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et puis un joyeux Noël à vous tous. Thanksgiving aussi. Thanksgiving. Merci pour nous suivre. Merci de s'abonner. Et merci à tous ceux qui donnent la force. Et puis, de très bonnes fêtes encore à vous. Je souhaite aussi une très bonne année. Pleine santé, hein. Faut pas oublier, ça marche bien. Santé, bonne année. Plein de sous dans le porte-monnaie. C'est la fin. Bisous, hein. Vraiment. Gros bisous. Et continuez à nous suivre, hein. Bande d'enculés. Ici, ça a côté. Truc. C'est pour ça qu'il faut pas dire. Bonne fin d'année.